Oh, hello. Pendant des années, nous avons entendu parler des avantages pour la santé de manger des œufs. Les œufs sont une source de protéines bon marché et polyvalentes, et nous les avons brouillés, pochés, cuits au four, et les avons fouettés dans les plats allant des soupes aux pâtisseries. Mais qu'en est-il de la coquille? Et voilà la bonne question. Ça, c'est... Vous savez quoi? Vous allez halluciner. Des études suggèrent que nous risquons de manquer une source précieuse de calcium lorsque nous jetons des coquilles d'œufs. En plus des avantages nutritionnels que procurent les coquilles d'œufs, alors, tu peux manger une coquille d'œuf? Voici les choses surprenantes à savoir sur la coquille. Et là, certains ils se disent, comment ça les coquilles d'œufs? Qu'est-ce qu'une coquille d'œuf exactement? La première couche est la substance dure que nous retirons de la pâte et des omelettes. Cette couche est composée presque entièrement de cristaux de carbonate de calcium. Ces cristaux forment la courbure qui donne sa forme à la coquille. Bien que la coquille soit dure, elle est en réalité une membrane semi-perméable permettant à l'air et à l'humidité de traverser les 17 000 minuscules pores qui couvrent sa surface. La coquille a également un revêtement très fin et extérieur appelé la fleur ou la cuticule. La fleur sert d'écran, empêchant la poussière et les bactéries de traverser les pores et d'endommager le reste de l'œuf. Les deux autres couches de la coquille sont appelées membranes internes et externes. Ces membranes lisses et transparentes sont composées de protéines et sont à la fois souples, fortes et, je rajoute, magiques. En travaillant ensemble, les membranes internes et externes défendent le jaune d'œuf contre l'invasion bactérienne. Une des protéines qui composent ces couches est la kératine, la même protéine présente dans la corne de rhinocéros et les cheveux humains. Et on va laisser les rhinocéros tranquilles. La réponse courte à cela est yup, oui. Lorsqu'elles sont bien nettoyées, correctement préparées, les coquilles d'œufs sont comestibles. La plus grande question pourrait être pourquoi voudrais-je manger des coquilles d'œufs? Pour répondre à cela, nous devons examiner la quantité de calcium contenue dans une coquille d'œuf qui fournit une grande partie des avantages de la coquille. Calcium. Une coquille d'œuf moyen peut fournir deux fois plus de calcium recommandé quotidiennement pour un adulte. Ce qui en fait l'un des meilleurs aliments riches en calcium. Le calcium est un minéral essentiel pour la croissance et le développement des nouveaux os. Il aide également à réguler le rythme cardiaque, à promouvoir la fonction musculaire et à contrôler les niveaux de magnésium, de phosphore et de potassium dans le sang. Renforce les os et peut aider à traiter l'ostéoporose. Les scientifiques travaillant sur le traitement de l'ostéoporose ont commencé à attirer l'attention sur les avantages du calcium de la coquille d'œuf. Ces résultats montrent que le calcium, le strontium fourni par les coquilles d'œufs, affecte positivement le métabolisme osseux et stimule la croissance du cartilage. Et attendez, c'est pas fini, hein. Effet anti-inflammatoire. Les coquilles en poudre ne sont pas les seuls composants des œufs à avoir des bienfaits. Une étude a évalué l'efficacité de l'utilisation des membranes de coquilles d'œufs en tant que thérapie alternative pour les troubles des tissus connectifs tels que l'arthrite, le lupus, les douleurs du dos. Ces affections sont couramment traitées avec des analgésiques ou des anti-inflammatoires qui ont une efficacité limitée et peuvent créer des risques cardiaques et des problèmes gastro-intestinaux. Masque pour le visage en coquille d'œuf. Écraser une coquille d'œuf propre, fouetter la coquille d'œuf broyée avec un blanc d'œuf,
puis appliquez le mélange sur votre visage en évitant les yeux. Laissez le masque sécher avant de le retirer. Les protéines contenues dans les blancs d'œufs et les coquilles se combinent pour resserrer et rajeunir votre peau grâce aux bienfaits pour la peau du collagène d'œuf et vous allez être beau gosse. Donc, là par contre, je vous ai mis des notes supplémentaires. Si ça vous intéresse, faites pause et vous pouvez faire un peu de lecture.